Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Sender. Enfin nouvelle, normalement celle-ci sortira peut-être en même temps que les autres. Ah, et on voit que le texte est différent. Donc éventuellement ça pourrait vouloir dire que je suis bien parti pour obtenir une troisième fin comparée à celle existante. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un mixte, j'ai corrompu quelques passages capacités, j'en ai détruit quelques fragments, bref. On a fait un peu des deux. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Hop, ça m'a l'air d'être bon pour tous les petits trucs. Maintenant, on va nettoyer cela. Hop. Par contre, c'est pas pour dire, mais pendant ce temps, au niveau des fins, c'est quand même pas super gay. Je veux dire, on a eu une fin dans laquelle on est corrompu, mais on réussit à quitter ce monde. Mais bon, en version corrompue, donc en quelque sorte, on détruit le monde. Et on a une autre fin dans laquelle on résiste à la corruption représentée par le trapézoèdre, mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'on reste coincé dans le monde. Va être compliqué. Oui. Aïe. Ok, pour le moment ça va, on réussit. Parfait, réussi le deuxième aussi. Hop, on passe à l'autre. Hop, à ce niveau. Bon, bah, ce niveau, je préviens, il y a une chance que je crève. Hop, pour le moment, ça se passe à peu près correctement. Exactement ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas du tout ce que je lui ai demandé, mais c'est pas grave après tout.
C'est vrai que ça aurait été con de faire ce que je demandais, en l'occurrence de d'essayer de survivre et de faire... En plus, ce qui était mis con, c'est qu'on y était presque. Bon, bah j'espère tomber sur l'autre niveau. En fait, ce qui est bien dans ce niveau, c'est que soit tu te fais spammer avec les ennemis de la cathédrale, c'est que soit tu te fais spammer la gueule par des tentacules, soit tu te fais... Soit tu te fais buter par tes propres capacités en avec ton perso qui se jette dans le vide. Ah bah tiens. Bon bah... Comment perdre du temps de manière totalement débile en tout cas. Allez, ça c'est fait. Allez. Bien. Ah. Il y a des espèces de prêtres à bouclier. Les adeptes, je crois qu'ils s'appellent. Non, t'es pas là. Ok, c'est bon. Pitié, pas le niveau avec le vide. Tout sauf le niveau avec le vide. Bref, quand je dis tout, comme il n'y a que deux niveaux, on va dire qu'on n'a pas trop le choix. Putain. Ah non. J'ai eu peur, c'est l'autre. Hop. Ok, parfait. Parfait. Ah, par contre, eux, va falloir aller s'en débarrasser, sinon ils vont me saouler. Voilà. Parfait. Ça devrait être bon. Non. Je refuse. On va voir ce que ça fait quand on le fait pas.
Donc, déjà de vue, ça ressemble à je sais pas quoi. Par contre, ça a été vachement long. J'ai bien fait parce que là, le jeu, normalement, le jeu, je mets la dernière vidéo. Je pense que le boss, je pensais le sortir après-demain ou après-après-demain éventuellement, d'ici 3 jours. Donc, heureusement que je termine. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ah, c'est Nerf à la totep. Ah. Aïe. Yeah, et dans. Donc là, c'est si on raffronte le trapézoïde, bah vous verrez jamais cette vidéo, et si on le raffronte pas, bah vous la verrez. Donc dire restez quand même jusqu'à la fin. Si je l'ai mis, c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est que ça change quelque chose à la fin. Vous en faites pas, je la remets pas si jamais il y a le trapézoïde, si jamais on raffronte le trapézoïde comme on l'a fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Donc dans cette fin, visiblement, on réussit à s'échapper, mais le trapézoïdre nous joue un mauvais tour. En fait, il est génial ce jeu. Alors t'as une des fins, tu t'échappes, tu te fais posséder par le trapézoïdre. Dans l'autre, tu t'échappes, mais le trapézoïdre te joue un mauvais tour. Et la fin où tu réussis à te débarrasser du trapézoïdre, j'ai l'impression que tu restes coincé éternellement dans le monde où t'es rendu, dans le monde des échattants. Bon, bah, le jeu était sympa, même si pour moi il souffre quand même de quelques petits problèmes de level design. Il y a quelques trucs qui sont quand même un peu mal foutus. On va dire que pour moi, quand le plus gros danger contre un boss, c'est que le risque que tu te suicides, c'est qu'il y a un petit souci à un niveau. Malheureusement. Mais bon, en tout cas, on aura fini le jeu, et 3 fois. Donc bon, c'est que vous inquiétez pas, c'est qu'il est pas si mauvais que ça. Si on l'a fini 3 fois, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. Coucou. Bon, en tout cas, c'est vrai que là... trentaine d'heures sur ce jeu, c'est un peu beaucoup quand même. Parce que oui, vous avez vu à G-Pro que le premier let's play, le let's play que j'ai fait dure à peu près une quinzaine d'heures. Faudrait que je vérifie avec la playlist exactement, mais puis bon, mais il y a un peu de farm aussi que vous avez pas vu, mais après, comme j'ai dit, le farm en 1 heure, 1 heure et demie, c'était réglé.
Ça n'a pas été le plus long, j'ai fait autre chose à côté en même temps. Mais c'est surtout en fait au niveau des. Mais après, mais toutes les parties, ça m'a quand même pris. Ouais, ça m'a quand même pris quelques heures. Donc bon. Peut-être là, si mettons 15 heures pour la première fois, ensuite je pense que j'ai dû mettre 10 heures pour la première, deuxième, et puis là j'ai dû finir en. J'ai dû y mettre 8, ouais, 8 heures. 8, 7, 8 heures. Donc bon. Ça fait quand même une petite trentaine d'heures, c'est quand même beaucoup. Mais bon, après, si je le fais aussi, c'est parce que j'aime bien pouvoir proposer toutes les fins personnellement. Après, il y en a qui aiment pas. Ils disent, une fois, je ne sais plus qui, on m'avait dit, ouais, faudrait peut-être que tu laisses là sur tes abonnés plutôt le faire eux-mêmes pour le découvrir. Mais bon, j'ai envie de dire, ceux qui veulent essayer de le découvrir par eux-mêmes, les autres fins, ils sont pas obligés de les regarder. À ce rythme-là, en fait, ça sert à rien de laisser les cinématiques pendant un let's play, autant laisser nos trucs pour les découvrir. Mais bon, après les différences de point de vue, moi, tant qu'on cherche pas à me les imposer, je les vis bien. Pouf, 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 c'est long. Bon, ça me saoule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce let's play vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur je sais pas encore quoi, malheureusement. Parce que je sais pas encore ce qu'il a, j'avoue que je sais pas, je sais plus du tout. Je sais pas par quoi remplacer ce jeu, j'ai pas d'idée pour le moment, donc on verra. Allez, à plus. Voilà là. Par quoi je pourrais le remplacer? Bonne question.